Il est 10h25 et je me suis réveillée à 10h, chose qui n'arrive absolument jamais. Vraiment, je sais même pas comment j'ai pu me réveiller à 10h alors que tous les jours, je me lève à 8h. Tous les jours, je me lève à 8h. Mais vraiment, c'est pas les jours où je travaille, c'est vraiment les jours où je peux me reposer. Je me lève à 8h. Bon, bref, du coup, là, il est 10h30. J'ai perdu toute la matinée déjà. J'ai un peu fini ma journée parce qu'on va faire pas mal de choses. Déjà ce matin, je vais aller faire tout ce que j'ai à faire. Après, on ira au resto. Pour mes 20 ans, j'allais dire 18 ans, pas du tout pour mes 20 ans. Et ce soir, je rejoins des copines, on va à la fête foraine, etc. Donc ça va être cool aujourd'hui. Et voilà! Je me suis préparée, je vous ai un peu filmé mais j'ai plus trop de stockage. Là il est 11h56, on est censé partir dans 4 minutes, il y a absolument personne qui est prêt. J'étais en train de réfléchir tout à l'heure et je me suis dit pourquoi pas filmer aussi demain, parce que je vais chez le coiffeur demain et je vais me faire une frange rideau. Vraiment ça fait genre 2 ans que j'ai envie de faire ça. Je vais le faire. Vraiment j'ai très peur que ça m'aille pas. Mais tant pis, à tout moment demain je ressors vraiment hyper hyper moche du coiffeur. Mais bon c'est pas grave. Pas ce qui m'arrive aujourd'hui mais je suis à l'heure, ça relève un peu du miracle. Là je vais en profiter pour vous montrer mes nouveaux petits bébés. Attendez, d'ailleurs je mets mes chaussettes. Je pense que tout le monde ne va pas aimer mais vraiment j'adore, ça change trop de mon style habituel mais j'ai trop envie de mettre des trucs qui changent en ce moment, j'ai envie de changer. Voilà. C'est des chaussures que j'ai achetées chez Jonah quand j'étais à Paris, c'est des espèces de ballerines genre, enfin vous voyez mieux comme ça. Je les avais vues sur TikTok de Alice Didier, je sais pas s'il y en a qui connaissent. Et vraiment, elles étaient incroyables. Et j'en voulais un peu similaires. Et en fait, je crois que c'est exactement les mêmes. Parce que je crois qu'elle les a achetées chez Jonac aussi. Elles sont incroyables. Après, ça me sert un peu pour l'instant, genre là. Parce que du coup, bah je les ai pas encore trop mises. Mais je vais les mettre à la rentrée, je vais les mettre tous les jours. Je trouve que ça fait grave classe parce que j'ai pas du tout de chaussures, enfin j'ai juste des talons. Mais à part ça, j'ai pas trop de chaussures genre classe et tout. Du coup ça, je vais les mettre dès que je mettrai une robe et tout. Je mets jamais de robe mais je vais les mettre tout le temps. Vraiment, elles sont incroyables. Voilà. Voilà pour petits achats du jour. À Paris, j'ai aussi acheté un truc. Bah j'ai déjà acheté ce pull. Je le mets tout le temps. Je sais même pas comment je m'habillais avant d'acheter ce pull parce que je le mets tous les jours. Je sais pas quoi mettre d'autre en fait. Du coup je le mets vraiment tous les jours. Et j'ai aussi acheté ce pull, j'ai acheté chez H&M aussi, on voit pas trop mais je trouve qu'il est trop beau. Ça me saoule parce que ma vidéo elle veut pas s'exporter sur YouTube, elle est à 30% alors que je l'ai publié hier à 14h et qu'il est du coup le lendemain à 12h13. Elle est à 30%. Je sais pas si ça va se publier un jour, sauf que le problème c'est que je l'ai publié de mon ordinateur. Donc en fait il faudrait que j'aille à un endroit où il y a de la connexion mais avec mon ordinateur. Je me sens pas trop de le prendre, je sais pas où donc... Bah je vais attendre de voir mais j'espère que ça va se publier quoi. J'ai que des problèmes avec la technologie je crois en ce moment. Je change de sujet comme de chemise mais c'est vraiment hyper pratique de faire le montage sur iCut sur mon ordi. Parce que sur mon portable c'est tout bugué, enfin c'était hyper chiant et tout. Alors que là sur mon ordi en vrai j'ai eu un peu du mal la première fois, enfin du coup quand j'ai fait ma vidéo, la dernière vidéo. J'ai regardé pas mal de tutos. Bon, je viens de rentrer, c'était trop bien. Mes parents m'ont fait la surprise d'aller au restaurant où j'ai travaillé cet été. J'ai rien capté, hein. Vraiment, on prenait pas du tout le chemin du resto qui m'avait dit où on allait. Genre, on allait à l'opposé et j'ai rien compris. Non, je ne capte rien, c'est dingue. Mais du coup, voilà, c'était trop cool. J'ai revu tous mes collègues, mes patrons et tout. Ça m'a permis de tous les revoir, même si je vais les revoir et c'était trop cool. Là, il est 15h et je sais pas si ça a coupé tout à l'heure quand je l'ai dit, mais j'ai dit que j'allais vous présenter quelqu'un aujourd'hui. Je vais vous le présenter tout de suite, je vais le chercher. Voici Junior, notre petit chiot de 1 mois dans 2 jours. On l'a appelé Junior en hommage à notre chien qu'on a perdu. Enfin en vrai je peux en parler plus que ça mais voilà tout ça pour dire qu'il s'appelle Junior, qu'il a bientôt 1 mois et qu'il adore manger tout ce qu'il trouve. Vraiment il mord tout, il essaie de tout manger. C'est le petit à notre chienne et on l'a gardé à la base pour lui tenir compagnie parce qu'elle était toute seule et elle se sentait un peu triste toute seule. Il est trop chou. Il est hyper calme là parce que ça fait 2 heures qu'on joue ensemble. Oh, je vais le reposer par terre. Du coup, voilà. Je me suis posée à peu près 1 heure. J'ai pris Junior avec moi parce qu'il déteste être seul. Du coup, je ne me voyais pas trop le remettre dans sa niche. Parce qu'il n'y a pas sa mère, elle est avec mon père pour l'instant. Du coup, je l'ai pris avec moi. J'ai mis une couverture, hein, vous inquiétez pas, sur mon lit.
Heureusement que mon père ne voit pas ça parce que je crois que sinon il me tuerait s'il voyait que j'ai mis le chien sur la couverture avec moi. Là je suis en train de regarder, du coup j'ai mis toutes les vidéos que j'ai filmées depuis ce matin sur mon ordinateur parce que du coup maintenant j'essaie de faire le montage sur mon ordinateur. Il y a quand même pas mal de trucs hein. Attendez, je vous montre. Non mais il aime trop monter sur mon ordinateur, mais arrête. Bon bref, il y a quand même tout ça depuis ce matin. En vrai je trouve que ça fait quand même pas mal. Je pensais pas que j'avais filmé autant, mais c'est trop pratique maintenant parce que je fais tous mes montages sur CapCut. Genre là le montage de vlog je l'ai fait sur CapCut. Arrête Junior. Vraiment il me montre mon ordi, c'est insupportable. Par contre c'est un truc de ouf parce que la vidéo ne veut toujours pas s'exporter. Genre vraiment je comprends pas. Là je regardais la dernière vidéo de l'ananas et je regarde en même temps mais ça ne s'exporte pas. 33%, mais je comprends pas, c'est depuis hier que c'est comme ça. Je suis sûre que ce vlog je n'arriverai jamais à le poster parce que ça veut pas s'exporter, je comprends pas pourquoi. Là je joue avec le petit tôt. Non mais je suis désolée, par contre il est vraiment trop mignon. Mais il arrête pas de me mordre. Mais arrête de me mordre. Mais genre vraiment, je sais pas comment ça se fait, mais il aime trop tout mordre. Bon en même temps c'est un bébé, j'ai envie de vous dire. Là je pense que je vais rien faire de plus, je vais peut-être faire un peu de montage après, mais ça me désespère un peu que genre cette vidéo ne veuille pas s'exporter, je sais pas comment faire, si vous avez des techniques vraiment dites-moi, j'espère que d'ici là ce sera exporté, mais en fait j'ai pas de réseau chez moi, du coup c'est un peu compliqué, faudrait que j'aille dehors, je pense que j'irai dehors et je vais me mettre en partage de connexion. Hein. Mais il a un sérieux problème ce chien, hein. Ce chiot. Il est jamais fatigué, mais c'est un truc de ouf, hein. Ça fait 2 heures qu'il est avec moi là et tout qu'on joue. Il n'est jamais fatigué, on joue vraiment depuis 2 heures. Genre pendant que je regardais ma vidéo, on jouait. Et il est toujours pas fatigué, je comprends pas. J'ai même essayé, vraiment j'ai tellement désespéré que je suis allée sur YouTube. J'ai tapé son pour apaiser les chiens et tout, ça n'a pas du tout marché. Parce que là ça l'a vraiment apaisé quoi, ça se voit. Avec mes pieds. Oh non mais le plan n'a aucun sens. Faut que je me dépêche parce que ça fait 30 minutes que je suis en train de regarder une vidéo YouTube et je me suis rendu compte que j'étais hyper en retard. Parce que comme je vous ai dit au début de la vidéo, je vais à la fête foraine avec des copines. Je me suis habillée très simplement. Toujours les trucs qui traînent par terre, c'est un truc de ouf. J'ai juste mis un pull et un truc comme ça. J'ai mis aussi un peu de gloss et de trucs sur les yeux là, trop beau. Voilà, tout ça pour dire que du coup faut que je me dépêche parce que je dois aller faire mon plein. Et là je dois y être dans 15 minutes, je suis toujours en retard en plus. Genre vraiment ils ont l'habitude mais là faudrait que je sois un peu à l'heure pour une fois. Ça serait pas mal. Là j'y vais vite. D'ailleurs je suis contente pour ma vidéo parce que là j'ai vu qu'elle s'était exportée genre à 49%, un truc comme ça. Du coup je crois que ça commence un peu à marcher. Voilà, bon bisous les gars. On n'a pas abandonné depuis hier soir, mais c'était trop bien. On a été au McDo puis à la fête foraine. On a fait quelques manèges du coup. Et là, donc on est le lendemain, il est 14h. Oui, attendez. Je disais, il est 14h et je pars pour aller au coiffeur. J'espère que ça va être réussi. Je vais essayer sur une espèce de frange rideau et tout. Là, je vous laisse parce que du coup, j'en en train de conduire. C'est un peu dangereux. Transition du pied. Oh mon dieu. Je viens d'aller chez le coiffeur. Et voici le résultat final en vrai de derrière. Genre là, c'est hyper court, je trouve. Mais bon, en vrai, c'est ce que je voulais. Genre, je voulais que ce soit plus court pour l'été et tout. Enfin, je dis ça, l'été, on était en dessous de ma grande. Mais bon, c'est pas grave. Mais là, genre, vraiment, je l'ai vu commencer à couper. Genre, bon, c'est trop tard maintenant. Je sais pas si ça se voit. Là, c'est trop moche parce que je les ai pas du tout coiffés, mais ça se voit pas trop. J'ai envie de faire un truc un peu effilé et tout pour pas que ça fasse trop de contraste non plus. Je crois, j'aime bien. Mais c'est juste que je sais pas du tout le coiffer. Genre, je sais pas si on voit. Je crois qu'on le voit quand je suis un peu comme ça. C'est très mal expliqué, je suis désolée. Mais en fait, c'est juste que ça me choque. Genre, ça change de d'habitude. Non, mais je crois que j'aime bien en vrai. Je sais pas. Vous aimez bien ou pas? En fait, je sais pas. Je pense que c'est mal coiffé et tout. Je suis mitigée. Je crois que je vais aller demander à ma grand-mère parce qu'elle, à chaque fois, elle aura un avis hyper tranché. Du coup, je pense que si c'est moche, elle me le dira. Je viens de rentrer, je suis allée chez ma grand-mère et au final elle m'a proposé qu'on se balade. On est allé se balader pendant à peu près 1 heure. Là je suis face à un dilemme. Je sais pas si je regarde le dernier épisode de l'été où je suis devenue jolie, mais je sais même pas s'il est sorti en fait. Ou si je fais le montage de ce vlog. En vrai je vais déjà aller voir si l'épisode est sorti et s'il est pas sorti bah du coup bah je ferai le montage.
Oh, j'espère. En fait, j'ai la flemme de faire le montage, mais en même temps, faut peut-être que je le fasse, quoi. Et d'ailleurs, pour la vidéo, elle est toujours à 50%. Vraiment, je pète un câble. Genre, je sais pas comment ça se fait, mais ça ne charge pas. Là, les deux, je suis devenue jolie. Je suis en train de regarder hier si ça y était. Oh, je crois qu'il n'y a pas d'autre épisode. Bon, bah, je vais faire le montage du vlog, hein. Je vais commencer le montage de ce vlog. En vrai, j'ai un peu la flemme, mais... Je sais que si je fais pas au fur et à mesure, bah je ferai pas quoi, enfin je le ferai jamais. Je dis au fur et à mesure, mais là c'est pas vraiment au fur et à mesure étant donné que je finis le vlog ce soir et que j'ai pas du tout commencé le montage. Il est 18h30, ça fait 2 heures que je suis sur le montage de la vidéo que vous êtes en train de voir. Ça passe tellement vite qu'on fait du montage. J'ai quasiment fini tous les rushs de la journée d'hier. Et en fait je pensais que la vidéo allait être hyper longue. Qu'elle ferait genre 15-20 minutes, mais pas du tout. J'ai 8 minutes je crois de vidéo pour ce qui est d'hier. Donc je pense que ça va pas être une vidéo très très longue, mais bon c'est pas grave. Je pense que je vais aller chercher Junior, j'ai trop envie de voir sa petite tête, je suis un peu gaga, mais bon c'est pas grave. Par contre en faisant le montage, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de types de langage que j'avais qui sont insupportables. Par exemple, je vais que dire du coup, vraiment ou J'essaie un peu de couper ça au montage, mais c'est un peu compliqué des fois. Donc j'ai un peu coupé tout ce que je pouvais. Je suis désolée si c'est un peu chiant dans la vidéo, mais je fais vraiment pas exprès. Voilà, je fais que dire... Oh, ça m'énerve, je fais que dire les mêmes mots. Je n'ai aucun vocabulaire, voilà, c'est pas la fête. Non mais, plus sérieusement, je suis désolée, ça va être hyper chiant parfois. Je vais essayer de faire de mon mieux pour couper un peu au montage, ce qui est trop redondant. Regardez qui voilà. J'ignore. Oh, il est trop mignon. Laisse-moi gérer ça, on a du temps à gagner. Yeah. Viens prendre une large avec moi, laisse même te faire ça. Laisse-moi gérer ça, on a du temps à gagner. Bébé, apprends. Calé sur la mer, le gun calé sur la tente. Bébé, je pourrais pas attendre. Quand la nuit m'aperçoit, je pense à nos exploits, nos merveilles, nos réseaux. Je veux recommencer là. Même parfum, même endroit, laisse tomber les coups.